Je viens de recevoir un tweet de Mokhtar. Tu peux nous raconter ton stage au Castellet. Bon, c'était un stage un peu particulier avec l'équipe nationale d'Algérie. Avant le match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, le match aller était en Algérie. Le stage était en 2009, en juin. Et Mokhtar a dû faire une sécurité un peu plus rapprochée que d'habitude parce que c'était en fin de saison et que les joueurs étaient un peu saturés mentalement. Et malgré un match à pression, il y a eu, on va dire, quelques tentatives d'évasion. Mais Mokhtar a très bien fait son boulot, comme à son habitude. Bon, en même temps, quand le garde du corps s'appelle Mokhtar, normalement, il n'y a aucune évasion possible. On salue Mokhtar et on reparle de notre invité, monsieur Antar Yahia. C'est avec une grande fierté, Antar, que nous vous accueillons et que je vous accueille tout personnellement sur le plateau. Vous le savez bien pourquoi, les abonnés aussi, Bin, le savent pourquoi. Merci. Monsieur Antar Yahia, grand défenseur aussi de l'équipe nationale d'Algérie. On va en parler, on va se mettre sur la mezzanine, c'est l'heure de l'entretien. Et d'abord, un petit bonjour, Antar. Le jaune, ça fait un petit peu mal aux yeux, hein, côté d'Orléans. Un petit bonjour d'Hervé Renard, qui regarde l'émission, le sélectionneur du Maroc, que vous connaissez au-delà de ses fonctions de coach. Il passe un petit bonjour à Patrice d'abord. Attention au pied gauche de Patrice Ferry, fantastique pied gauche. Donc ça, nous, on savait. Et puis, il dit que vous n'avez pas trop vieilli. Donc c'est pas mal, vous êtes toujours c'est bien gentil affiché. Venant de lui, je lui repasse le bonjour aussi. Ouais, parce que lui, il est toujours très, très bien affiché. Sa chemise blanche aussi. Deux Coupes d'Afrique des Nations, Hervé Renard. On va pas dire peut-être une troisième pour lui, parce que ce serait pas vrai de ma part. Je souhaite qu'il ne la gagne pas. Moi, je peux le dire, j'espère pas. Ouais, moi aussi. Que... Donc, là, c'est pas, donc, mais coach. C'est un très très bon entraîneur qui a fait ses preuves en Afrique. Et s'il a remporté deux Coupes d'Afrique, c'est qu'il a beaucoup de talent en tant que coach. Nice, Bastia, Bochum, maintenant Orléans, l'équipe nationale d'Algérie. On parle aussi de d'autres clubs et d'autres aventures. On va en parler dans cet entretien. Mais avant cela, votre portrait avec monsieur Charles Beauvais. On va parler foot et on va parler coiffure aussi. Oh là là. Si je parle coiffure, je parle chemise. On va parler foot d'abord. On a déjà parlé chemise. On va parler foot d'abord avec votre CV, histoire de voir que vous êtes le genre de garçon qui avait un petit peu la bougeotte, parti de Mulhouse en 1984. Vous êtes aujourd'hui à Orléans avec, entre-temps, pas moins de 11 clubs. Sochaux, vous avez débuté votre formation qui s'est poursuivie à l'Inter Milan. Ensuite, Bastia, Nice, Bochum, où vous êtes resté le plus longtemps. Ensuite, Al Nasser en Arabie Saoudite, l'Espérance de Tunis, Platanias, Angers et donc Orléans. Mais le maillot que vous avez véritablement marqué, c'est celui de l'Algérie, Smaïl le disait, 54 sélections, 6 buts, dont un très très important qui a envoyé l'équipe d'Algérie à la Coupe du Monde. Je sais que Smaïl vous en sera éternellement reconnaissant. Et donc je me suis intéressé au fait que vous ayez la bougeotte et Smaïl m'a donné une piste en me disant regarde ces coupes de cheveux, tu vas voir, ah bon, il y a eu souvent du changement et effectivement, on a eu droit à peu près tout, cheveux longs, cheveux courts, rasés, crête, gominé ou sans. Ma préférée, ça reste quand même les tresses à Bochum. Une question, pourquoi ? Une erreur de jeunesse, on va dire. C'est un peu comme la chemise tout à l'heure. Je pense que tu fais des erreurs des fois et il faut les assumer. Cette façon, Sean Paul, vous l'avez assumé jusqu'au bout ? Je sais pas ce qui m'est arrivé là, mais bon, je l'ai gardé 3 jours. Match d'après, carton rouge contre Leverkusen, je l'ai enlevé. Antar, on va passer un petit peu de temps ensemble. Ah ! Oui, allô ? Oui ? Ah, c'est monsieur Pierre Boubi. Allez-y, Pierre. Et on n'a pas entendu votre question. Je voulais savoir si Tarkan pouvait nous chanter une chanson. C'est son surnom ? Non, on l'appelle comme ça de temps en temps quand il a la coupe un peu gominée, comme au début de sa carrière. Ah, il profite, il est loin. C'est quoi votre autre surnom ? Je sais pas si Pierre va nous le donner. Vous avez eu quoi d'autre comme surnom ? J'ai pas de surnom en général, sauf que ouais, ils disent des fois avec Karim aussi que je ressemble à un Turc. Le Turc, Tarkan, conneries comme ça, mais bon. Karim Viani dans le vestiaire d'Orléans. Pierre, il est comment dans le vestiaire Antar ? Il est comment ? Il est normal. Il essaye de. Bah, tous les matins, la plupart du temps, parce qu'on fait des petits matchs à FIFA, il essaie de convaincre tout le monde que c'est le meilleur.
Mais voilà, c'est vrai que moi je suis arrivé en même temps que lui, donc on a une certaine, enfin voilà, on est assez liés tous les deux, mais ouais, c'est quelqu'un qui arrive à porter son aura autour du groupe et à rassembler tout le monde. C'est un capitaine, quoi. Donc je pense que ce qu'il a fait avec l'équipe d'Algérie, il peut le faire avec le SR d'Orléans. C'est pas plus compliqué pour lui. Hein. L'équipe d'Orléans, c'est votre club. Actuellement, on va revoir le classement de cette formation d'Orléans. Vous êtes promu de National en Ligue 2. Début de saison difficile, mais on s'est aperçu que ça s'était joué à très peu de choses. Très très souvent, vous êtes 18e du championnat. Pour le moment, c'est une place de barragiste pour votre nouveau club. Quel bilan? On n'a pas encore joué la première phase et on n'a pas encore terminé la phase aller. Quel bilan vous faites de ces premiers mois à Orléans? Un bref historique pour les gens. Bon, l'US Orléans ne parle pas à tout le monde aussi. C'est que l'année dernière, le club était en National. L'année d'avant, en Ligue 2. Donc le club fait le yo-yo un peu entre la Ligue 2 et le National. Je ne sais même pas quelle année remonte le dernier maintien en Ligue 2. Donc le but est de maintenir le club en Ligue 2. En étant pratiquement le dernier budget de Ligue 2, c'est très très compliqué. Donc aujourd'hui, qu'on soit là au classement aussi, c'est pas justifié, mais on a fait de très très belles prestations, mais à chaque fois il nous a manqué le petit détail. Et là, on joue un match très très important contre Reims lundi, qu'il faut absolument gagner pour recoller au classement ou pour pas que le fossé se creuse avec le premier non relégable. Et on voit ce programme le 12 décembre. Ce sera lundi à domicile contre Reims. Il y aura Clermont. Et puis, pour commencer l'année 2017, un match à domicile contre Brest. Vous êtes comment là physiquement? On vous avait laissé un petit peu blessé. Vous êtes revenu. Parlez-nous un petit peu de votre état physique. Vous serez dispo pour le match contre Reims? J'espère être dispo pour Reims. J'ai eu un petit souci contre Valenciennes. Un petit souci musculaire, mais rien de méchant. Donc j'espère être là contre Reims. On va parler un petit peu plus de vous, on va parler d'Orléans, évidemment. Pourquoi les vous riez cartons, pas de... Non, parce que les cartons, c'est... Ah oui, non, moi j'ai rien dit. On parle évidemment de votre carrière. Ce qui est marquant quand on voit votre CV, dès le premier coup d'œil, on voit 2000-2001, l'Inter Milan. C'est à noter. C'est remarquable, remarqué dans un CV comme le vôtre où vous avez eu la bougette. Racontez-nous un petit peu ce passage du côté de l'Italie et de ce grand club européen. En fait, déjà, entre guillemets, ma bougette, elle a commencé après mon départ de Bochum, là où je m'étais vraiment posé. Et après, ça a été plus difficile. Mais à Sochaux, j'ai fait toute ma formation à Sochaux, un club qui restera vraiment important pour moi. Et je signe un contrat pro de 5 ans le jour de mes 18 ans à l'Inter de Milan. J'arrive, je fais la préparation avec les pros. À l'époque, le coach, c'était Monsieur Marcello Lippi, avec qui ça se passait très bien. Malheureusement, 3-4 mois après, il se fait licencier. Donc, je continue la saison avec eux. Et à la fin de saison, il y a Bastia qui se propose en prêt. Et moi, à l'époque, j'étais un no-name pour les clubs. Donc, la chance de pouvoir m'imposer en Ligue 1, c'est offerte à moi. Alors, j'ai préféré la saisir et aller tenter ma chance. Et ça s'est plutôt bien passé à Bastia, parce que c'est vraiment là-bas que j'ai fait mes débuts en Ligue 1. Qu'est-ce que ça représente l'Inter Milan dans votre carrière, notamment au niveau de l'expérience d'un grand club européen, d'un grand club mondial? Même si c'est une seule année, même si vous étiez jeune, ça marque. Quand vous arrivez, moi je suis arrivé, j'étais avec le groupe pro. Alors qu'à Sochaux, je me suis entraîné deux fois avec les pros. Je suis arrivé, j'étais en chambre avec Laurent Blanc, avec... Recoba, avec Pirlo, quand vous les regardez à la télé et que du jour au lendemain vous entraînez avec eux, déjà il y a forcément à l'entraînement vous progressez, puis on arrive, on voit le professionnalisme de suite par la grande porte. Donc c'était vraiment une belle expérience. Après, il y a d'autres joueurs aussi qui ont connu ce genre d'expérience, mais pour qui la carrière s'est arrêtée là, parce que on peut partir après dans des embrouilles, se faire prêter en série C à droite à gauche. Quand je revois je rembobine la cassette, je me dis que j'ai bien fait d'aller à Bastia et de prendre vraiment l'envol d'une carrière normale. Ouais, d'une belle carrière en club et en sélection, on en reparlera dans quelques instants. Avant cela, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Pierre, votre rôle dans le vestiaire. Vous êtes un vrai capitaine, ce que vous avez apporté en équipe d'Alger, ce que vous apportez dans ce vestiaire de l'US Orléans. Comment vous voyez votre place dans ce vestiaire, dans cette équipe? Vous êtes un vrai moteur.
En fait, pour moi, il y a des choses qui se font naturellement. Déjà, bon, qu'on ait 20 ans ou 30 ans, quand on arrive quelque part, on, même si on a la crédibilité un peu de la carrière, on doit faire sa place par ses prestations et par le respect qu'on montre aux gens, que ce soit de l'intendant, au kiné, au médecin, à tout le monde, aux plus jeunes joueurs. Après, on reçoit aussi ce respect en retour. Et c'est ce qui s'est passé à Orléans. J'ai eu la chance de jouer tout de suite dès que je suis arrivé. Une semaine après, j'ai joué le premier match en championnat. Après, j'ai enchaîné les matchs. Et pour moi, il y a des facteurs qui sont très importants comme le respect, la loyauté, le travail. Et quand on arrive à dégager ces valeurs-là, je pense que les partenaires ou le club ne peut que vous respecter. Évidemment, on va parler aussi de votre carrière en sélection. On a quelques images à vous montrer. Les premières images à vous montrer, ce ne sont pas des images de terrain. C'est quelque chose qui vous a sûrement marqué en tant que joueur de foot, mais aussi et sûrement en tant qu'homme. On est en 2009, vous jouez le match retour, dernier match normalement de phase de poule en Égypte, au Caire, pour aller à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Algérie. Et il se passe ce qu'il se passe dans le bus. C'est pas... C'est-à-dire, quand je le revois comme ça, moi, ça me... est toujours un petit peu... Je bouillonne un peu, parce qu'à l'époque, c'est... ce qui s'est passé était vraiment très grave. Et je reste persuadé que s'il y a un match comme ça, lui, en Europe, il n'y a pas de match derrière. Donc malheureusement... Attaque, hein, on rappelle, contre le bus de l'équipe d'Algérie. On voit des joueurs en sang. On a vu Rafik Alich. Il y avait Lemouchia aussi qui avait joué avec un bandage sur la tête. On le voit là. Évidemment, il y a les nerfs, mais il y a aussi cette force que vous aviez dans cette équipe d'Algérie, mais qui va être décuplée, je ne sais pas si c'est le bon terme, grâce à cet événement. Je pense que le fait de nous avoir agressés, ça nous a renforcés. Parce qu'on était un groupe vraiment de... On était... Vraiment, on va dire, des fois on exagère la notion de famille dans le foot, mais là on était vraiment un groupe où on avait connu pas mal de galères ensemble. On est arrivé en sélection quand il n'y avait pas grand monde qui osait aller en sélection. Donc on s'est construit dans la douleur, dans les échecs. Et on avait cette chance qui nous tendait les bras. Et en plus on se fait caillasser. Alors là c'est vraiment la motivation, elle a été énorme. Mais bon, derrière on connaît le... Juste avant ça, il y a 2-2 en Égypte. Égalité parfaite entre l'Égypte et l'Algérie. Match d'appui à Khartoum, quelques jours après ce match nul. Et puis, il se passe ce qui se passe. L'Algérie va en Coupe du Monde. L'Algérie s'impose 1-0 grâce à vous. Est-ce que c'est le moment le plus fort de votre carrière? Vous marquez du pied droit dans la surface de réparation de l'Égypte, une mine sous la transversale. Est-ce que c'est le moment le plus fort de votre carrière? Ça restera. Ça le restera, parce qu'en plus, c'est avec mon pays. Donc... Même ce que j'ai pu vivre avant, footballistiquement ou après, il n'y a jamais rien qui, même dans la vie, par la naissance de mes enfants, qui sera au-dessus de ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre ventre, là, dans vos tripes, à ce moment-là? C'est... Sur le moment, là, déjà, les 5 minutes d'après, quand je cours, je sens plus rien, pratiquement. Parce que quand on sait ce que ça représente pour nous, les 24 ans... tout le peuple qui attendait ça, qu'on a une génération derrière qui, footballistiquement, avec la période du terrorisme, n'a pas connu grand-chose au niveau du sport, et qu'on voulait tellement cette qualif. Des fois, on nous prend pour des fous parce qu'on est vraiment trop nationaliste, entre guillemets, mais là, quand on marque et qu'on est qualifié à la fin, la joie, elle est indescriptible. C'était en 2009, il y a presque 7 ans, jour pour jour, on sent encore de l'émotion quand vous en parlez. Au-delà du sport, c'est l'homme qui parle et qui est encore ému de ce moment. Bien sûr, parce que ce moment, pour moi, il ne s'arrête pas au foot. Quand, on va dire, moi, j'ai eu la chance de marquer, c'est un cadeau du ciel d'être à cet endroit-là et de le mettre au fond. Mais derrière, quand je revois le but, c'est toute l'aventure qu'il y a derrière. Elle dure presque 10 ans, l'aventure, pour arriver à ça. Passer par des galères, on s'est battu en Gambie. Il y a une époque, Mehdi Menéri a failli perdre un œil en Gambie, ce n'était pas télévisé. Il y a pas mal de galères et à la fin, il y a ça au bout. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, même tous les joueurs qui ont la chance de jouer en équipe nationale d'Algérie ou qui ont avoir la chance d'y aller, ils peuvent être que fiers de porter ce maillot. Quel regard vous portez sur cette équipe d'Algérie? On dit que c'est peut-être la plus talentueuse de l'histoire. On a peut-être oublié celle qu'il y avait dans les années 80, notamment, qui avait une grande et très très belle équipe d'Algérie. Quel est votre œil sur cette formation algérienne qui va jouer la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui est en difficulté pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde? Déjà, moi, j'aime pas la comparaison des générations. Il y a quand même une équipe du FLN qui restera gravée dans les mémoires pour toujours. Il y a l'équipe de 82,
Il y a l'équipe de 90 qui a gagné la Coupe d'Afrique. Donc, il faut des fois savoir rester humble, rester à sa place, ne pas rentrer dans certaines comparaisons, se concentrer sur l'essentiel et faire en sorte d'avoir des résultats. Le reste, c'est à certaines discussions, il faut les laisser pour les plateaux télé, pour les journalistes, mais pas s'en mêler en tant que joueur, se concentrer sur l'essentiel. Et c'est ce que je conseille, moi, à tous ces jeunes de faire, parce que l'attente, elle est énorme derrière. Et je pense que des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais le peuple algérien, il vous aime, comme il peut vous détester de suite après. L'action d'après, ce n'est pas le match d'après. Donc ça, il faut l'avoir bien en tête et se dire que c'est une grosse responsabilité de pouvoir porter le maillot et de faire ce qu'il y a à faire. Déjà, au niveau de l'état d'esprit, moi, je ne m'inquiète pas pour eux parce qu'à chaque fois, ils ont su répondre présent quand ils étaient dos au mur. La Coupe d'Afrique, on n'est pas favori déjà. Ça, il faut l'enlever de sa tête. La Coupe d'Afrique ne nous tend pas les bras. On est loin d'être favori. Il y a d'autres équipes qui postulent au titre. Et je pense que le but sera de faire une belle Coupe d'Afrique et de se racheter des matchs précédent. Et parce que ça va être difficile, cette course vers la Coupe du Monde. On voit ce but de Bentaleb, mais défaite 3 buts à 1 pour les Algériens sur la pelouse du Nigeria. Le Nigeria, leader de ce groupe qualificatif à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ce sera dans un petit peu moins de 2 ans. Maintenant, dernière petite question. L'après-foot, peut-être pas pour tout de suite, mais est-ce que vous avez une idée de ce que vous ferez après, est-ce que vous allez rester dans le foot? Si oui, plus en France, plus en tant que dirigeant, peut-être en Algérie pour aider la fédération, pourquoi pas? Entre guillemets, moi j'ai des idées plein la tête. J'ai commencé une formation en management du sport l'année dernière avec l'Université de Lyon. Je la continue cette année pour la finir. Je profite de mes dernières années de joueur, parce que c'est une chance aussi de pouvoir jouer jusqu'à cet âge-là. Après, l'avenir, c'est pas flou pour moi, parce que je sais où je veux aller aussi. Je l'ai fait durant ma carrière. Je le construis aussi pour l'avenir et j'espère que ça me réussira autant que ma carrière de joueur. Eh ben on vous le souhaite et en tout cas on n'est pas trop inquiet. On a quelques bons pressentiments. Merci Antar d'avoir été avec nous. Merci, on va rejoindre Patrice et Charles autour du plateau parce que j'imagine que vous aussi, messieurs Charles et Patrice, vous avez des questions à poser à Antaria. On était obligé de parler de ce moment de 2009. Mmh. Non mais vraiment, parce que on en parle souvent, on en rit, mais c'est quelque chose d'important au-delà du football, ce qui s'est passé ce jour-là pour beaucoup de personnes qui vivaient en Algérie, mais aussi qui vivent toujours en France, qui sont d'origine algérienne et qui ce jour-là, ont eu encore plus de belles émotions. Patrice, une petite question pour Antar. Oui, non, c'est un petit peu lié à cette expérience, j'allais dire internationale. Je veux dire, est-ce que quand même avec l'Algérie, par exemple, pour les Coupes du Monde, parce que pour les Coupes d'Afrique, on sait que ça fait comme la Copa Sudamericana pour les joueurs d'Amérique du Sud. Est-ce que vous êtes senti un moment fort pour pouvoir peser dans une Coupe du Monde? Déjà, nous, quand on se qualifie en 2010, ça fait 24 ans qu'on n'y est pas. On n'a pas cette expérience de Coupe du Monde. Donc, et la Coupe du Monde, c'est particulier. Il y a les pays qui sont habitués à y être. Et nous, le but, l'équipe nationale, c'est faire en sorte que l'Algérie soit en Coupe du Monde à chaque fois. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, Antar, c'est qu'elle est au Brésil. Donc là, d'un coup, on est un peu dans l'esprit chaud, comme les images que vous avez montrées. Donc si ça avait été une Coupe du Monde en Russie, je veux dire, effectivement, il y a un décalage un petit peu. Mais là, je pensais, d'abord par la qualité de l'équipe, mais que aussi le contexte, un petit peu, j'allais dire, sud-américain, pouvait vous aider dans ce sens-là. Je pense que moi, c'est pas celle que j'ai faite. Moi, j'ai fait 2010 en Afrique du Sud. Oui, pardon, en Afrique du Sud. Je vous disais, moi, c'était pour nous, c'était nouveau. Donc, on avait envie de faire belle figure déjà et de faire un résultat. Mais on sait qu'en Coupe du Monde, le premier match, il est décisif, pratiquement, dans les groupes pour espérer passer. Et nous, ce premier match, on le perd. Mais on le perd aujourd'hui avec le recul par manque d'expérience. Peut-être on a joué un peu trop crispé, trop petit bras. On n'a pas assez joué pour le gagner. Mais vous en parliez justement de ça entre vous ? Mais après, il y a des choses dans le foot. Avec le recul, on peut les remarquer. Mais sur le moment, on va pour le gagner. Mais comment on s'y prend sur le terrain, c'est différent. Je pense que si on a une ou deux Coupes du Monde avant, comme l'a fait la génération après en 2014, il y a cette expérience. Il y a quelques joueurs qui étaient là en 2010. Il y a cette expérience de 2010. Donc on sait que le premier match, pratiquement, où il est qualifiant. Il est qualifiant. Ou il y a un match qu'il va falloir gagner, absolument. C'est ce qui se passe contre la Corée et qui donne l'espoir pour le deuxième tour. Mais c'est vrai que nous, je pense que le manque d'expérience pour nous en 2010, il a été déterminant. Dernière question, Charles. Oui, vous moi j'avais juste remarqué que vous avez arrêté votre carrière internationale en 2012. Pourquoi si tôt? Ben en fait, surtout encore, on va dire encore plus en Afrique,
il faut savoir partir au bon moment. Moi, je suis arrivé dans un cycle en 2003 avec pas mal de gens. C'était une aventure humaine extraordinaire. Et je me retrouvais l'un des derniers avec une nouvelle génération qui arrivait. Je sentais qu'il était le moment de leur laisser la place, de se trouver ensemble, et puis moi de faire autre chose. Merci, Anta, d'avoir joué franc jeu avec nous pour votre carrière, pour l'équipe d'Algérie. Restez bien avec nous, il reste encore une partie. On va jouer, on va tester un petit peu vos connaissances sur ce week-end niveau football, et puis on va écouter de la musique. Restez bien avec nous, à tout de suite.